Oui, les jambes. Oui, c'était plus lourd que prévu. Ok. Comme promis, je vous fais la vidéo sous YouTube. Ça me fait trop bizarre de me voir genre sans filtre et tout, avec une bête de luminosité, genre je suis posée et tout. Bref, j'ai grave pas l'habitude. Alors du coup, pour le montage, je vais vous faire un haul mélangé directement au Try and Me parce que j'ai trop la flemme de... Enfin, en fait, j'ai trop peur que vous trouviez que la vidéo elle est super longue. Donc du coup, je vous ai fait les deux en une fois. Enfin, vous verrez. Mais franchement, j'espère que ça va vous plaire. Après, franchement, je pense pas refaire d'autres vidéos. Surtout qu'il faut que je commence à économiser. Dans la vie, il y a des priorités à faire. Et les vêtements, bon. À un moment donné, j'en ai un petit peu beaucoup. Donc voilà. Du coup, je vais vous faire par magasin. Parce que ça va être plus facile pour moi de me retrouver. Donc je vous mettrai le nom des magasins à chaque fois. Je sais pas trop où sur l'écran. Mais je vous les mettrai, je pense. Donc voilà, et écoutez, j'espère que vous allez kiffer, donc sur ce, bon visionnage. Alors du coup, on va commencer par Pinky, parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses, et que c'était les premières choses que j'ai achetées. Donc du coup, j'ai acheté d'abord un haut, je le trouvais hyper mignon, genre franchement il était super joli, la couleur et tout elle est hyper belle. Du coup, je sais pas, je l'ai kiffé. Ça faisait un peu asiatique et tout. Et du coup, j'aimais bien. Il y a une petite fermeture ici. Je trouve la flemme de l'ouvrir parce qu'elle est hyper fragile, je trouve. Donc voilà. Franchement, il est bien. Après, pour du 36, je trouve que c'est un peu large. Je sais pas si vous voyez. Genre ici, je trouve que c'est quand même un peu large. Mais bon, ça passe. Parce que en vrai, c'est quand même un peu serré. Genre sur les manches et tout. Genre par exemple, quand je l'enfile, c'est un peu complexe. Mais bref, franchement, je l'aime énormément. Du coup ça va, je suis pas trop déçue parce que je pensais que ça allait faire un peu bizarre sur moi et tout, je sais pas, ne sait-on jamais, mais franchement non, j'ai grave kiffé. Du coup ensuite en deuxième j'ai pris un blazer en simili cuir parce que bon, comme tout le monde, je suis la mode. Du coup je trouvais juste trop beau. Il y a des poches mais je les ai pas encore décousues parce que j'avais trop la flemme. Du coup là il y a les poches. Après derrière à la petite fente, voilà, pour pas être trop serré dans la veste. Franchement elle est hyper bien. En plus je pensais que genre j'allais être un peu bloquée parce que j'ai des blazers, enfin vous faites ça, vous êtes bloqué quoi. Et ça pas du tout, franchement il est grave extensible. Donc franchement très très bon achat. De base il coûtait 40 €, je l'avais eu à moins 40%, ça doit faire un truc de 25, je sais pas. Franchement j'étais vraiment trop fière, il est vraiment trop beau. En plus genre il y a le col et tout, parce qu'il y a des blazers des fois ils ont pas de col, ils ont pas de poche ou je sais pas quoi. Genre là vraiment il y a tout ce que je veux. Donc franchement je suis trop heureuse, mais genre vraiment trop heureuse. Du coup ensuite on va passer à Stradivarius. J'ai acheté juste un pantalon là-bas. Franchement je pense que c'est l'un de mes coups de cœur déjà de jean tout court et de ce haul. Parce que franchement, je le trouve juste trop beau. Du coup, j'ai pris un flair. Je sais pas trop comment il sort. J'ai trop la flemme de mettre l'accent. Du coup, il est grave serré ici. Genre vraiment hyper bien. Et après, c'est genre hyper large en bas. Mais genre vraiment hyper large. À la limite, ouais, je suis à la taille du... Non, je rigole, j'abuse, mais... Enfin, quoique. Bref, vraiment, c'est large. Et du coup, sur la gauche, on a un petit trou comme ceci. Franchement, il est vraiment hyper bien. Genre vraiment, en fait, je sais pas, je trouve la qualité est juste magnifique. Du coup, je crois qu'il coûtait 30 €. Il était pas du tout soldé, mais franchement, je regrette pas du tout. Je vous promets, il est juste trop bien. Il est trop beau. Il est... Franchement, c'est genre le bleu que je kiffe, la forme que je kiffe. Après, en fait, je comprends pas trop parce que, en gros, des fois, il va toucher le sol, mais des fois, il va pas toucher le sol, mais avec la même paire de chaussures. C'est-à-dire, une fois, j'ai essayé des Air Force, et l'Air Force, ça a touché le sol. J'ai mis une autre paire d'Air Force parce que, oui, j'en ai 4. Ça a quand même touché le sol. Alors que l'autre fois ça n'avait pas touché le sol. Bref, vraiment, j'ai pas trop compris. C'est vrai que ça a grave perturbé. Mais franchement, le jean est genre magnifique en soi. Donc, même s'il traîne par terre, genre c'est pas très dérangeant. Vous sentez un peu quand même, parce que vous voyez, genre là il est travaillé en bas. Genre, c'est pas le truc déchiré que j'ai l'habitude de prendre. Donc, du coup, quand vous écrasez, c'est épais. Donc, vous allez le sentir. Mais franchement, je regrette pas.
Ensuite, du coup, on va passer à Jennifer. Ouais, j'ai acheté à Jennifer. Franchement, c'est vraiment pas mon délire d'acheter là-bas de base. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, c'est qui Joann Papps. Il a sorti une collection avec, avec sa sœur Lisa. Et je voulais trop le t-shirt qu'il a fait avec sa sœur. Du coup, alors, on les a ici en miniature. Ils sont trop fous en petit perso. Franchement, le t-shirt, il m'a fait rire. Franchement, il m'a fait rire. Et du coup, bah, vu que je l'aime bien, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je le voulais. Après, bien évidemment, grosse dalleuse que je suis, on n'oublie pas le seau de poulet derrière. Franchement, je trouve qu'il est super beau. Celles qui savent, je mets jamais de rose. Mais genre, vraiment jamais. Du coup, je me suis dit, bon, c'était un peu l'occasion de mettre du rose. Franchement, je le trouve vraiment hyper beau. En plus, il est oversize et tout. Bon, par contre, il est un peu trop oversize, alors que c'est censé être du XSS. Genre, il y a bien écrit en gros XSS. Mais c'est pas très XSS, je trouve. Enfin, franchement, j'ai beaucoup de t-shirts oversize. Mais alors, ça, c'est un vrai oversize pour du XSS. Franchement, je trouve ça un peu grand, mais bon, mon fichier est hyper beau. Et du coup, bah, au début, je voulais pas acheter juste ça en fait dans le magasin. Parce que les frais de livraison de Jennifer, wesh, 5,60€ ou 80, je sais plus. Enfin, MDR, alors que le t-shirt, je l'avais payé 3€. Je me suis dit, c'est mort, faut que je rentabilise un minimum. Donc, du coup, j'ai pris une robe. De base, sur la matière, je pensais qu'elle était rose la robe. Oui, je sais pas pourquoi, du coup, je voulais acheter que du rose à Jennifer. Mais bref. Du coup, à la finalité, elle arrivait, elle était violette bizarre. Franchement, la couleur n'est pas du tout pareille que sur la vidéo. Mais bon, c'est un peu plus foncé. En tout cas, elle est vraiment hyper mignonne. En plus, ça va, elle est pas si courte que ça. C'est vrai que franchement, dans ma tête, je la voyais un peu plus courte. Donc, c'est vrai que j'avais un peu peur quand elle devait arriver. Mais du coup, au final, non. Après, j'aime pas trop les manches trois quarts. On va pas se mentir. Mais en fait, je l'ai pas vue quand je l'ai commandée. Genre, moi, je l'ai pris et voilà quoi. Mais bon, c'est pas genre vraiment trois quarts au sens ici. Genre, c'est quand même à peu près ici, je crois. Genre là. Du coup, c'est pas très joli, mais bon, ça passe. Après, bon, bah, clairement, c'est une robe moulante, hein, je vais pas vous expliquer c'est quoi. Juste, ben, comme d'hab, j'adore les trucs avec des petits nœuds. Hein. Vous avez pu remarquer sur mes précédents hauls qu'il y a toujours ça. Donc voilà, chez Jennifer. Ensuite, on va passer à Pull&Bear. Alors, Pull&Bear, comment vous dire que j'ai braqué Pull&Bear? Et je vous promets, j'ai acheté tellement de trucs là-bas. Franchement, c'est moi qui ai fait leur chiffre d'affaires pour les soldes. Hein. Bref, du coup, bah, passons à Pull&Bear. Donc, d'abord, j'ai acheté un petit haut très simple. Oui, j'ai acheté que des trucs d'été la plupart, vous allez voir. J'en ai strictement rien à faire des saisons. Moi, j'aime bien un truc, je le prends. Donc, du coup, j'ai acheté un petit haut blanc, très simple, très mignon, un peu transparent. Mais bon, la qualité chez Pull&Bear, c'est pas ouf ouf. Mais vu les prix, en vrai, qui va se plaindre? Du coup, là, je sais pas si vous voyez, enfin, ça se voit que c'est transparent quand même. Mais bon, enfin, je mets ça avec un débardeur. J'ai un peu le seum parce qu'en été, j'aime bien mettre juste des hauts, bah, tout seul, quoi. Mais du coup, ça va pas être possible, je serais obligée de mettre un débardeur en dessous. Mais bref, franchement, pour 3€, qui va se plaindre? Donc voilà, je trouvais très mignon, très simple. En plus, j'aime bien en fait les petites rayures là qu'il y a sur le haut. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit haut noir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les lacets, c'est ma vie. Du coup, franchement, je pensais que ça allait faire un très gros décolleté. Mais en fait, ça va. Bon, ça fait quand même un petit peu, on va pas se mentir, vu que c'est en V. Mais franchement, je m'attendais à pire. Donc ça va. C'est pas si court que ça. Pourtant, quand vous regardez comme ça, on dirait un bout de tissu. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. De toute façon, vous allez voir porter. Ensuite, le violet. Vous avez bien vu qu'en ce moment, le violet, c'est moi. Du coup, j'ai pris ce petit haut. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est truc. Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est très mignon. Et en fait, j'ai remarqué que ça le fait un peu semblant, mais pas autant que ça. Du coup, voilà quoi. Mais c'est hyper beau, je trouve. Petit col rond. Après, la matière, je sais pas si vous allez voir. Il y a des espèces de petits carrés. Et je trouve ça hyper cute. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit haut blanc à manches longues. Mais vu comment c'est vraiment, vraiment pas du tout chaud, franchement, limite, ça se met en printemps, voire en été. Non, je rigole, j'abuse. Mais. Déjà, les manches, elles sont hyper longues. Bref. Mais franchement, genre, c'est vraiment hyper transparent. Vous voyez, il y a transparent et il y a ça. Même Shein, je crois, parfois, ils font de la qualité un peu meilleure. Mais bon, c'est dommage que ce soit transparent. Mais en vrai, c'est pour l'hiver. Donc, qui va pas mettre de débardeur en dessous, quoi. Donc, c'est pas très grave. Après, c'est vrai que j'aurais pensé que c'était plus blanc. C'est un peu plus blanc cassé. Mais c'est pas moche, moche, quoi. Après, j'ai remarqué en l'essayant qu'il y avait un petit trou. Je sais plus il est où. Mais quand j'ai essayé le vêtement, je vous l'ai montré. Ça se voit pas beaucoup, hein, donc en vrai, je m'en fiche. Et puis, je crois que je l'ai payé 3€, 4€, 5€.
6 euros. Du coup, voilà. Ah oui, bah, je crois que mes autres hauts, là, c'est que des 3 euros. Ouais, c'était que des 3,99€. Et du coup, lui, bah, 6 euros, parce que ça mange longue. Du coup, je sais pas si vous allez entendre, mais ma mère, elle passe l'aspirateur. J'ai un petit peu beaucoup le seum, mais j'ai clairement pas d'autres moments pour faire la vidéo, donc j'espère juste qu'on n'entend pas si fort que ça. Bien évidemment, il y a un côté. Franchement, ça me saoule. Du coup, je reprends. J'ai acheté un haut bleu à manches longues. Le col il est rond mais un peu plus bas, genre un peu plus décolleté un peu, je sais pas si vous voyez, ouais. Du coup je l'ai payé pareil 6 euros comme le blanc. Il est un peu transparent mais pas autant que le blanc. Juste vous voyez la matière là, genre comment ça tombe comme ça là. Bah genre vous voyez c'est des trucs où ça prend tout en forme, mais genre trop, genre jusqu'à on voit les dessins de ce que je mets en dessous et tout. Enfin franchement j'aime pas trop les matières comme ça, mais la couleur bleue comme ça, je pouvais pas laisser passer pour 6 euros. Je me suis dit, c'est mort, je veux ça dans mon armoire. Du coup, voilà, franchement, super beau. Après, je sais pas si ça se voit un peu. C'est plus long derrière. Je sais pas là si on voit. Si. Alors, c'est plus long derrière que devant. Mais c'est pas non plus flagrant à la mort qui tue. Donc, c'est pas très grave. Du coup, ensuite, j'ai acheté 2 jeans. J'ai acheté un noir. Parce que, comme je vous avais dit l'autre fois, j'aime pas trop le seul jean noir que j'ai. De toute façon, en avoir qu'un seul, c'est pas trop une bonne idée. Du coup, j'ai pris un jean mom en taille 32. Voilà. Du coup, ben, comme d'hab, c'est bien serré en haut. Et après, ça fait plus large vers le bas. Du coup, c'est ni trop large, ni pas assez. Enfin, en vrai, en fait, quand vous n'avez pas de chaussures, je trouvais ça super large. Mais après, quand vous mettez une paire de baskets, bah ça va. Du coup, ça va. Après, c'est pas noir noir. Genre, c'est un peu plus gris un peu. J'aurais préféré un vrai noir, mais j'ai pas trouvé un vrai noir. Et puis il coûtait combien? Il coûtait 20 euros, donc ça va. Franchement, je suis quand même satisfaite, hein. C'est pas non plus le pire du monde. Donc franchement, moi ça me va. Ensuite, j'ai pris un deuxième jean, pareil, un mom. Du coup, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les Stradivarius, moi la plupart de mes jeans ils sont comme ça en bas. Ils sont pas travaillés. Du coup, j'ai pris un jean très troué. Enfin, pareil ici. Toujours serré. Du coup, j'ai pris un jean très troué. Alors, ma mère, elle a vu, elle a failli faire une crise cardiaque. Mais bref, du coup, voilà. Là, c'est des vrais trous. Genre, j'ai des jeans avec des trous, mais des fois, vous voyez, il y a beaucoup de ça. Mais là, les trous, c'est des vrais trous. Mais bon, franchement, là, pour l'instant, le moins 7 degrés, ça va jamais sentir avec ça. Sauf si je mets un leggings à l'intérieur. Mais bref, je trouve pas ça très beau. Et du coup, ben, comme je vous ai dit ici, c'est pas très travaillé. Après, franchement, j'aime trop parce que. Ça sert vraiment bien la taille, mais c'est pas genre trop serré, genre en mode je vais mourir. Parce que j'ai des jeans, voilà, je meurs dedans limite, mais bon, pour le flow, c'est le flow. Ça veut rien dire ce que j'ai à dire, mais bref. Ensuite, j'aime bien l'étiquette, je sais pas pourquoi, mais je la trouve hyper jolie, genre une espèce de violet comme ça. Voilà, c'était inutile, mais je trouvais ça super joli. Donc voilà, après la couleur bleue, c'est pas mon bleu favori. Je préfère vraiment le bleu de chez Stradivarius comme jean que j'ai acheté. Mais voilà, ça va. Franchement, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Ensuite, du coup, on passe à... Toujours plus l'Embir, mais que j'ai acheté en ligne. Du coup, j'ai pris un petit haut comme ceci pour l'été. Je le trouvais hyper mignon. Alors, en fait, je l'ai trouvé sur Zara. Et bien évidemment, Zara qui abuse des prix. Je le voulais pas sur Zara parce que bon, je trouvais que c'était trop cher. Mais sur Zara, il y avait un petit truc que j'aimais bien, c'est que en gros, ici sur les seins, il y avait un truc que vous pouvez serrer. Du coup, je trouvais ça un peu plus joli, c'est vrai. Mais j'ai payé combien ce truc là? Bah, je sais plus. Ah, si, je l'ai payé 4 euros, je crois. Ou quelque chose comme ça. Franchement, je sais plus exactement. Alors que sur Zara, soldé, hein, il était à 13 euros. Donc, je l'ai vu sur Pull&Bear aussi, j'ai dit c'est mort, ça va prendre sur Pull&Bear. Maintenant, j'avoue, j'ai eu le seum. Parce que je sais pas si vous voyez, les manches elles sont hyper hautes. Et en fait, j'ai pas d'épaule. Du coup, en fait, ça tombe. Mais genre, ça tombe vraiment. Genre, sur le. Quand je l'ai essayé, je sais pas pourquoi, comme de par hasard, ça a tenu. Mais sinon, en vrai de vrai, je l'ai essayé 3 fois le haut. Parce que je voulais être sûre, vous voyez. Et 3 fois, c'est tombé. Et la 4e fois, quand je l'ai essayé pour faire la vidéo, non, ça a bien tenu. Mais bref, en vrai de vrai, genre, ça tombe comme as. Mais genre, vraiment, ça tombe hyper bas, tellement les grands de la manche. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais ma mère, elle a dû, elle va le rectifier. Genre, vu que c'est un élastique là, elle a dû, elle va juste trop serrer. Donc voilà, franchement, c'est carré. Ensuite, j'ai pris un t-shirt. Je le trouvais juste trop beau. Du coup, comme vous avez pu voir sur le t-shirt de Jennifer, j'aime bien les trucs où, en fait, il y a écrit des trucs derrière. Après,
Je préfère le t-shirt Jennifer au sens, c'est vrai que j'aime bien qu'il y a juste un tout petit truc devant et que derrière, genre, il y a une grosse écriture ou quelque chose comme ça. Là, c'est l'inverse, c'est devant, il y a bah, le gros dessin, mais je l'aime bien quand même. Après, les couleurs, elles sont trop belles, on dirait genre un tableau connu, mais après, je pense pas que c'en est un. Franchement, je sais pas, moi, il a pu me changer, on n'est pas trop amis. Et derrière, du coup, il y a une petite écriture, mais en vrai, franchement, il me plaît. Après, c'est vrai que la couleur du haut, c'est pas une couleur que j'aime bien de base. Mais j'aimais tellement bien le dessin, l'harmonie des couleurs et tout ensemble. Je me suis dit, c'est mort, je le veux. Et je sais plus, je l'ai payé combien. Franchement, je sais plus du tout. Parce que là, il est à 18 euros, mais je sais que j'aurais jamais payé 18 euros. Je crois qu'il doit être à 4 euros aussi. Franchement, je sais pas. Et j'ai acheté une veste à carreaux. En bleu et blanc. Du coup, enfin, vous avez vu la couleur quoi. Du coup, je la trouve juste magnifique. Je l'ai payé 20 euros et elle coûtait 35,99€ de base. Donc voilà, franchement, elle est hyper belle. Après, c'est un bleu un peu dur à marier. C'est vrai que j'ai galéré à mettre une tenue dessus. Parce qu'en fait, j'ai vu le truc, je me suis dit, je la veux dans mon armoire. Maintenant, j'ai reçu le truc, je me suis dit, comment je vais m'habiller avec. Franchement, des fois, je pense pas à tout, mais bref. En tout cas, franchement, elle est vraiment hyper belle. Elle est hyper lourde, donc ça se voit qu'elle est chaude. Genre, franchement, ça n'a pas l'air d'être de la merde. Parce que j'en ai une chine, voilà quoi. Elle est jolie, hein. Mais niveau qualité, tout ça, enfin, c'est chine, donc c'est pas vraiment forcément hyper chaud. Mais franchement, je ne vais pas me plaindre, elle est quand même bien celle de chine. Mais celle-ci, je pense qu'elle doit être vraiment plus chaude. Donc voilà. Les petits boutons aussi sont bleus. Enfin, tout est vraiment bien accordé. Donc, franchement, j'aime bien. Du coup, j'ai pris du XS parce que je suis 1m55 et que j'ai pas d'épaule et que j'ai rien du tout en fait. Et même avec du XS, vous allez voir comment c'est hyper grand sur moi. Genre, j'abandonne ma vie. Et du coup, enfin, pour finir, on va finir sur H&M. En fait, j'ai l'impression qu'il y a moins de vêtements que ce que je pensais. En fait, à voir comme ça, il y a tellement de vêtements. Mais quand je fais le haul, c'est plus rapide que ce que je pensais. Bref, petite parenthèse inutile. Du coup, H&M, j'ai pris un truc quand je suis partie en magasin. J'ai pris une petite robe toute mignonne. Je sais pas trop, je vais la mettre où pour faire quoi. Mais je la trouvais très mignonne. Avec des petits froufous. Enfin, je sais pas trop. Maintenant, le problème, c'est que, en fait, en gros, je l'avais pris en 32. Je sais pas, j'ai cru que j'étais maigre à quel point. Je ressemblais à une dinde farcie. J'ai des boudinettes partout et tout. Franchement, c'était mieux, j'abandonne. Du coup, je suis partie la changer directement le lendemain parce que j'avais payé en liquide, ça c'était pas mal. Du coup, je l'ai pris en 34. Maintenant, en 34, les bretelles, elles sont hyper grandes. Et en fait, elles sont pas rétractables ou réglables, je sais plus trop comment on dit. Du coup, j'ai un peu le seum, mais bon, ma maman est là pour ça. Du coup, elle va me les régler, je pense. Si, je crois que je l'avais déjà demandé. Enfin, bref. Du coup, à part ça, franchement, je vois pas trop de bémol. Elle est un peu courte, mais ça va. Parce que vu que je suis 1m55, ça va. Et du coup, voilà. En plus, ça va. Genre, c'est un jean. Genre, c'est extensible. Vous n'êtes pas en train de mourir dans la robe. Donc, franchement, ça va. Pour 8 euros en plus, qui a à se plaindre. Donc, du coup, ça, je l'ai acheté en physique. Et sur internet, j'ai pris un petit haut noir. Alors, je l'ai déjà en blanc de chez Zara, mais je l'ai acheté, oula, il y a très longtemps. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, les lacets, comme d'habitude. Du coup, voilà, je suis très déçue de la qualité. De toute façon, après H&M, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté. Et j'avais oublié, en fait, leur qualité. En fait, ça dépend des vêtements. Hein, mais celui-ci, franchement, en fait, j'ai jamais vu aussi transparent que ça pour du vêtement noir. Genre, je sais pas si je vous vois là à travers. Genre, vraiment, je suis choquée. Du coup, je suis un peu deg de cette qualité. Mais sinon après, à part la transparence, le vêtement est bien. Après il est léger, donc c'est vrai que pour l'été, pas mal, vraiment pas mal du tout. Parce que c'est vrai que ce que je vous ai montré depuis l'année dernière tout à l'heure à manches courtes, certes c'est pas transparent, mais ça se voit que c'est une matière lourde. Genre vous voyez quand vous allez en été, enfin le but d'un t-shirt c'est de pas avoir chaud. Là, franchement je pense que j'aurais chaud avec. Donc je sais pas, voilà. Mais du coup ça c'est transparent, mais vu que c'est léger, on va pas se plaindre, on va dire que ça compense. Et ensuite j'ai pris un haut que je voulais depuis tellement longtemps, mais j'ai jamais osé l'acheter et je sais pas pourquoi j'ai osé. Du coup c'est un petit top comme ça. Alors comme ça on dirait il n'y a pas de bout de tissu, mais franchement en vrai ça couvre vraiment tout.
Et du coup, ben, ici, c'est posé comme ça sur les épaules. Enfin, je vais pas vous apprendre, quoi. Du coup, c'est transparent. Les manches sont assez longues quand même, mais ça va. Au bout, il y a un petit élastique. Voilà. Du coup, franchement, c'est pas du tout transparent. Mais genre, vraiment pas du tout transparent. Ça soutient la poitrine. Franchement, je crois que c'est aussi l'un de mes coups de cœur. Je sais plus, je l'ai payé combien. Vraiment, je sais plus du tout. Je sais que ça n'a pas dépassé 8 euros, je pense. Parce que j'ai payé 13,98 euros les deux ensemble, sachant que la livraison a coûté 5 euros, je crois. Du coup, franchement, je sais plus du tout il coûtait combien. Je pense qu'il coûtait 5 euros, quelque chose comme ça. Du coup, je sais plus, vraiment. Mais il est magnifique. Mais genre, vraiment magnifique. Et c'est du XS. Donc voilà, franchement, c'est un de mes meilleurs achats. Enfin, pas que j'aime pas les autres, hein, mais il y a toujours des petits coups de cœur dans un gros lot comme ça. Et du coup, mes coups de cœur, franchement, je pense que c'est ça. Mon jean large en bas. Et le haut noir avec les petits lacets là au milieu de Pull&Bear. Donc j'ai un petit coup de cœur un peu partout. Ah oui, aussi le blazer noir de chez Pinky. Est vraiment trop magique. Bref, du coup, ben clairement, j'ai fini. Franchement, j'espère que vous allez kiffer. Genre, vraiment beaucoup. Je sais pas trop, ça va donner quoi en vrai le montage. Ça, là, je parle, j'ai pas encore fait le montage quoi. J'espère juste que je vais réussir à faire tout ce que je voulais. Donc voilà, j'ai un petit peu beaucoup peur. Je sais pas si ça s'est vu, mais dans la vidéo, j'étais stressée de fou malade. Genre, déjà, je parlais énormément avec les mains. Déjà, je parle beaucoup avec les mains. Mais alors, quand je suis stressée, bref, du coup, j'espère que vraiment vous avez kiffé la vidéo. Comme j'ai dit ben, précédemment, au tout début, moi j'ai grave kiffé faire. Maintenant, après, je vais pas mentir, ça prend grave du temps. Donc, si un jour je dois faire quelque chose comme ça prendra grave du temps à ce que j'en refasse une. Surtout que déjà, il faut que j'accumule des vêtements. Et pour l'instant, ça va être compliqué vu la somme d'argent que j'ai dans mon compte bancaire. Donc, voilà. Mais franchement, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et que ben, vous avez kiffé la regarder, quoi. Donc. Voilà, sur ce, je vous fais plein de petits bisous. Et voilà, prenez soin de vous. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien dit comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné.